Coucou YouTube, on se retrouve pour Final Fantasy VII Rebirth. On a l'épisode 16. Non, pardon, qu'est-ce que je dis 25 26 Ah merde, je me perds dans les épisodes. 26. Il y a trop d'épisodes, j'ai pas l'habitude de faire des let's play, moi, comme ça, long. Du coup, voilà, on va reprendre là où on s'est arrêté. J'ai pas pu faire d'annexe. On est avec Kate Sith. Du coup, j'ai pas pu faire d'annexe parce qu'on est bloqué. Voilà, le jeu te laisse pas faire de l'annexe. C'est pas grave, je le ferai de mon côté, du coup, et on va faire l'histoire et on va pas s'arrêter et je vais live. Je sais pas jusqu'où on peut aller aujourd'hui, je sais pas si je vais finir le jeu aujourd'hui, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance clairement, c'est parti. Donc là on commence vraiment là où on s'arrêtait au dernier épisode quoi. Dans les grands espaces, Kate Sith peut se déplacer plus rapidement en effectuant des roulades si vous maintenez R2. Attention à ne pas heurter d'obstacles cette occasion. Ok, donc t'as un genre de... un truc anti-obstacle. Ouais, ok. C'est cool. Le fait qu'on puisse... Attends, mais il est continuellement en roulade. J'ai juste à bouger le joystick, il est continuellement en roulade. What? Les créatures du mont Nibel descendent jusque dans le coin. Ok, d'accord. Allez au manoir Shinra, mais ouais, mais je veux aller au manoir Shinra, moi. C'est où le manoir Shinra? Alors, est-ce que vous n'avez pas de problème avec le son? Est-ce que tout est ok chez vous? Il fait Sonic. Ah, c'est vrai, j'avoue. Nickel, merci. C'est un bâtiment qui a une cinquantaine d'années tout de même. Il a été construit dans quel but? J'avoue que je ne sais pas exactement. En revanche, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de manteaux noirs dans le village. Et c'est quoi le rapport? Le professeur Ojo aurait apparemment utilisé ce manoir comme laboratoire d'expérience. Quel salopard. Ah, le fait qu'on puisse infiltrer le manoir, c'est cool. Ah, allez, c'est parti. Et puis on va pas tarder à voir le goat aussi. Et est-ce qu'on peut monter les escaliers maintenant? Est-ce que genre il y a quelque truc qui a été modifié ou... Non, hein, c'est toujours... Ok, c'est toujours... Je fouille les gars, je fouille. Vous me connaissez. Le BG ténébreux. Toutefois, j'ai un grand attachement sentimental pour cet endroit.
Alors j'aimerais que vous évitiez d'aller y fureter comme bon vous semble. Et donc, sans plus tarder, vous allez vous retirer, cher zone indésirable. Il nous a bien eu, cet enfoiré. On dirait bien qu'on est enfermé. Ça a beau n'être qu'une intelligence artificielle, elle est aussi vicelarde que Ojo. Regardez ce conduit. Je devrais pouvoir y passer, moi. Bon, je vais nous sortir de là. On est en mode infiltration. Alors attendez, je vais juste... Hop. Allez. Oh là, oh là, oh là, doucement, doucement. Il me donne la gerbe. Arrête de rouler, il roule tout seul. Ok, il roulait tout seul, littéralement. Lui est trop lourd pour qu'être site puisse se dépasser ou c'est pas un temps on est plus à l'heure. Ok. On est sur un interrupteur qui maintenant permet de faire venir des nouvelles caisses Shinra. Utilisez-le donc si vous n'avez plus rien. Non, c'est... Ok, il faut que je balance des trucs. Genre, à mon avis, sur le bouton là, si je comprends bien. Alors, comment ça se passe ? Il y a un moyen ? Par... De ton côté ? Ok, d'accord. Attends, mais je vois pas, moi. Ah. Ok. Mégaphone en or. D'ailleurs, ça me permet de voir un petit peu ce qu'il a, lui. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça te rajoute... ouais, c'est pas mal. C'est quoi? On va pouvoir lui mettre affinité élémentaire. Matériel permettant de conférer l'élément de matériel associé à l'équipement. Oh, ouais, ça peut être pas mal. Ou élévation de matériel, c'est pas mal aussi. Alors, des faits. Magie renforcée. On va mettre magie renforcée. Et on va mettre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi il a deux renforcements offensifs, lui? What? On va lui mettre Glass Max. Et en... Voilà. Comme ça. On va lui mettre une magie quand même. Oh, quoique j'aurais peut-être pu lui foutre Feu Glace plutôt.
Allez. Alors attention quoi, compagnon en cellule, ouais alors on s'en fout, laisse-le en cellule. Ah mais c'est clair, je vous épargne ça. Trop long. Oh mais non! Retenez-moi ma team! Putain, il fait mal, hein. Je dois une caisse. Attends, comment il est mort? Comment il est mort? Je suis mort. Quoi? T'es blessé? Attendez, comment il est mort? Il s'est mangé une caisse? Ah non, je me reposais juste un peu en vous attendant. Sur ce, dépêchons-nous de poursuivre notre ascension. Je commençais à m'impatienter. L'accès à cette salle était en fait strictement interdit, car c'est ici que j'ai enfermé un spécimen devenu incontrôlable. Le numéro perdu. Ouh. Spécimen oublié.
J'ai plus rien en PM. Ah non, c'est parce que je suis pas à fond. C'est pas la team que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est pas évident. Non, par contre, on va pas prendre Phoenix, on va prendre quelqu'un d'autre, non? Oh, je suis content de voir le spécimen perdu, là, du moins, on va pas prendre Phoenix. Ramu... On a qui avec Iris? C'est Shiva, je sais pas. Du coup, il aura pas l'importance que je pensais dans la théorie, je sais pas. Ça a l'air d'être qu'un personnage perdu comme ça. En tout cas, ils l'ont bien mobilisé, hein. On peut lui faire colère maximale. What? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attends, 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 attends.
On va réempoisonner ce coup. Est-ce que je lui balance de la magie? Bon, après j'ai plus de PM non plus. J'ai un peu à la dèche. Essayer de le... Il faut qu'on arrive à le choquer. J'ai pas envie d'utiliser... Je pourrais utiliser ma transcendance maintenant et le buter peut-être à la rigueur. Ah, ça c'est... Partie courte. Je suis con. Que je peux le tuer comme ça, ouais. Pas besoin de le... Oh, quoi que. On peut, il est fragilisé, vas-y, hop, il est choqué. Pensons dans ta bouche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Bon travail, chers hôtes. Grâce à vous, mon manoir est désormais un peu plus propre qu'auparavant. Bien, voyons. Merci pour le juger. Vous avez éliminé le sujet d'expérience qui était retenu ici. Il est donc temps pour moi de vous tirer ma révérence. Vous m'avez offert un beau spectacle. Sur ce, au plaisir de vous revoir un jour. Bon, le numéro perdu. La prochaine fois que je le vois, je manquerai pas de lui enfoncer ses lunettes dans le crâne. Tu m'aideras, bien sûr. Avec plaisir. Dépêchons-nous d'aller en haut. Faut vite trouver ce terminal. Il était sympa le combat. Après, c'est pas évident quand t'es pas avec ta team de prédilection. Tes habitudes, tout ça, tout ça. C'est dommage, j'aurais aimé qu'ils mettent une backstory un peu plus importante sur le numéro perdu, je sais pas si... Savoir qui c'est, tout ça, tout ça. Vous voilà. Vous avez l'air plus fatigué que nous. Ça va, vous? Ouais, ça va. Vous avez trouvé le terminal? Ben, pas encore. On a eu quelques problèmes. Bon, allez, cherchons tous ensemble. On va pas passer la journée ici. Ouais, allons-y. Ah, ça y est. Je retrouve mon petit Clodo, équipe d'exploration du laboratoire. Claude et ses camarades sont à nouveau réunis et doivent s'enfoncer davantage à l'intérieur du laboratoire d'études de la Mako pour trouver le terminal de la Shinra. Cathy, tu veux absolument accompagner Cloud lors des recherches. A vous donc de sélectionner le troisième équipier. Mais choisissez bien, car le terrible danger vous attend sûrement dans ces lieux. Ok. D'accord. Est-ce que je dois rester avec Cathy? Est-ce que ça veut dire que tu dois rester avec Cathy?
Apparemment. Porte verrouillée. Ghost time. Excuse-moi. On dirait que c'est un cercueil. Qui êtes-vous? Et toi alors? Dis-nous qui tu es. Vincent Valentine. Je suis... le gardien de ces lieux. Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Utilisez le terminal. Carte d'accès. Vincent Lac Technologie. Voilà. Oh. Je vois. Cette carte permet bien d'accéder au terminal. Ouh. Parfait. L'ennui toutefois, c'est qu'elle n'est pas à toi, mais à Murasaki. Que lui est-il arrivé? Ah, en effet, la carte d'accès appartient bel et bien à quelqu'un d'autre. Mais on en a un besoin urgent pour vérifier une information. On ne peut vraiment pas se permettre que notre ennemi nous passe devant. Un ennemi? Et de qui s'agit-il au juste? Notre véritable ennemi. C'est un homme qui autrefois était un héros. Sephiroth. Désormais, il veut obtenir un immense pouvoir qui lui permettrait de détruire la planète tout entière. Intéressant. Eh bien, on dirait que j'ai encore un péché de plus à expier. J'ai déverrouillé la salle pour vous. Faites comme bon vous semble, Monsieur Murasaki. Il nous laisse y aller? C'est bien ça? Est-ce que j'aurais pas dû mettre la Shinra? Ok. Par contre, ça casse tout l'ambiance de ce lieu avec le banc et tout ça, là. Ça casse un petit peu le lieu. On n'a pas rempli avec Clodo. Attends, augmente 5% le remplissage de la jauge de transcendance. En cas de garde réussie, ça peut être pas mal, mais on l'a déjà fait. Ouais. Ça prend les dégâts avec son compétence synchronisée.
Alors, voyons voir qu'est-ce qu'ils vendent là. On prend. Oui, les grandes forges, j'en ai deux. C'est vrai que je les mette sur. Vincent ici, il est dans l'équipe. Ah, bah ça va être trop bien ça. Continue toute l'exploration. J'y compte bien, j'y compte bien. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Et qui nous laisse tout le temps de fouiller. Tifa. Le fameux bureau. La fameuse bibliothèque. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre leur réaction quand on les a vus. Vas-y, avance. Avance, Clodo. À entrer dans cette pièce. C'est une petite erreur involontaire. Je te prie de... Lâche-moi, s'il te plaît. Ne fais pas de mal. Relâche-le. Qui est dans son bon droit? Est-ce moi ou bien toi? Je suis désolé. Mais je suis pas d'humeur à discuter. Quelle coïncidence. Moi non plus. Ah ouais, joli. Ah.
Et pourquoi tu bouges pas là? Je suis avec qui là? D'accord. Et là, je commence à regretter de pas avoir Iris. Putain, il défonce Cloud. Oh putain, il le défonce. Je bouge. Pourquoi il a pas bougé? Tu sens que ce combat-là, il va être chaud. Je pense que ça va lui faire grand-chose, ça. Faiblesse, ok. Il a une faiblesse au feu. J'ai déjà mis Turbo ATP. Ok, il est chaud. Ramunon. Titan. On a Phoenix. Oh, Phoenix, allez. On va essayer Phoenix, mais on... Classe, hein. Tu dirais un mélange avec un Behemoth et... Yeah.
Ah, le con. Putain, c'est vrai que c'est chiant que je peux pas... Il est pas au sol. Je parie qu'il est pas au sol. Ah, ça va. Ouah, il est pas mort! Sérieux? Oh là là, c'est stylé! J'arrive pas à croire qu'il est pas mort, quoi. C'était trop stylé. L'ancien Turk, Vincent Valentine. J'ai vérifié, ton nom était dans la base de données. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu restes ici. Et elle a certainement un lien avec Sephiroth, n'est-ce pas? Tout ça ne te regarde pas. Comme tu voudras. Mais tu peux venir avec nous. À vrai dire, pour ce qui est de Sephiroth, personnellement, je suis pas convaincu qu'il soit en vie. Mais je crois qu'en accompagnant ces gens, on pourrait découvrir quelque chose. Si tu préfères, tu peux rester. Allez-vous-en. Ne revenez plus. Très bien. Allons-nous-en alors. C'était badass. Le temple. Pas la peine de traîner ici. Pas le temps de rêvasser. On y va. Avec la musique en fond, c'est excellent. L'ambiance, j'adore. Vincent, reviens, viens avec nous, allez, viens.
Allez, viens. Où c'est cette partie? Allez, viens. Viens. Ah, oh, c'était vraiment cool. Très bon combat, très très bon combat. Après, le numéro perdu, je m'attendais un peu plus. Un peu déçu. Mais bon, restez sûr qu'ils n'allaient pas... Il doit bien avoir des matériaux cachés quelque part, non? Mais tu penses qu'à ça ou quoi? Bah, c'est ma mission. Alors c'est bien normal quand même. J'adore l'esthétique et tout. Toujours fermé. Bon bah c'était cool. Où il se trouve, seulement... Mmh. Avant ça, il faudrait qu'on fasse un tour au Gold Saucer. Hein? Mais pourquoi? Parce que pour pénétrer dans le temple, il va nous falloir un objet spécial qu'on appelle la pierre-clé. Et apparemment, ça fait bien 20 ans que personne sait où elle est. Toutefois, le dernier endroit où elle a été vue... C'est au Gold Saucer, n'est-ce pas? Rien ne dit qu'on y trouvera quelque chose. Mais bon, c'est la seule piste que nous avons. Je te fais confiance. Allons-y. Ah, je te remercie. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci. Bref, il n'y a pas le choix. On se met en route dès que tout le monde est prêt. Alors, je vais sauvegarder là. Un petit coup. Ah, ce passage avec Vincent, il était trop bien. C'était vraiment trop cool. Voyons voir. On va arrêter la VOD là. On est à, allez, à 40 minutes. Je vais l'arrêter là déjà. Ah, c'était cool. C'était très très cool. Très bien fait. Le combat avec Vincent était vraiment stylé. La transformation, elle est ouf. Non. Enfin, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau après la purge du gameplay avec Kate Seed. C'était vraiment voilà, la récompense. Quoi. Donc merci YouTube d'avoir suivi la VOD jusqu'à présent. Et je vous dis à très bientôt.